J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'avais pas prévu initialement de vous vlogger, comme d'hab j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois. Mais je vous ai tourné un vlog hier pour la Saint-Valentin et finalement c'était pas ouf. Je me suis dit que j'allais vous vlogger hier pour la Saint-Valentin. Et en fait j'ai pas passé une méga bonne journée, enfin j'ai pas passé une mauvaise journée. Mais c'était pas une journée de ouf et du coup c'était pas un vlog de ouf non plus. Donc je recommence aujourd'hui, je retente ma chance. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui rien de trop prévu. Je sors d'un rendez-vous, là j'avais rendez-vous à 9h. Là j'ai un autre rendez-vous à 11h45. Donc comme vous l'entendez, il y a l'eau qui coule, qui est en train de chauffer parce que l'eau met 1000 ans à chauffer chez nous. Et je vais aller prendre ma douche, je vais me préparer. Je vais prendre un petit peu soin de moi parce que franchement ça me fait pas de mal. Je me suis vraiment oubliée ces derniers mois. Et là j'en ai marre de m'oublier, j'en ai pensé à moi. Donc j'allais prendre ma douche, je vais me préparer. Après j'irai à mon autre rendez-vous à 11h45. Et puis je vous emmène avec moi dans ma journée. Bon, du coup je sors de la douche, ça fait trop du bien. Je m'étais déjà douchée hier soir mais là j'avais trop envie de prendre une bonne douche chaude. J'ai mis tout plein de petits produits et tout, enfin bref, j'adore. Là j'ai mon rendez-vous dans une heure donc je vais en profiter pour un peu m'occuper de moi, peut-être avancer un peu dans le montage. Et au passage, vu que j'ai mes petites gélules avec moi, je voulais vous en parler parce que cette vidéo est en collaboration avec madame la présidente. Du coup ce sera plus simple de vous en parler étant donné que je sors de la douche et que du coup là mes cheveux sont propres. Je pense que je vous ai énormément parlé de mes cheveux sur YouTube, sur Insta aussi. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta, je vous fais souvent des updates par rapport à ça et par rapport à toute ma vie. Donc c'est mon Benenko, je vous mettrai juste ici. Mais je vous ai énormément parlé de mes cheveux, notamment sur les vlogs pendant le premier confinement. Je perdais énormément de cheveux à la suite de mon accouchement, donc pendant la période postpartum, pendant des mois, je perdais des touffes de cheveux. À chaque fois que je me lavais les cheveux, à chaque fois que je me brossais les cheveux, à chaque fois que je faisais des bains d'huile, enfin bref, peu importe ce que je faisais, dans tous les cas, je perdais des touffes énormes. Et j'ai toujours été habituée à avoir une bonne masse capillaire. Pour le coup, j'ai toujours eu de la chance par rapport à ça. Des trois filles que mes parents ont eues, c'est moi qui ai la plus grosse masse. Et franchement, j'adore avoir beaucoup de cheveux, même s'ils sont pas toujours comme je voudrais qu'ils soient. Et donc ça m'a beaucoup frustrée de perdre ces cheveux là et d'avoir les cheveux d'un coup très fins, tout plats, avec des trous. Enfin je me reconnaissais plus forcément et je m'aimais plus forcément avec ces cheveux là. Donc je vous en avais déjà parlé, j'avais testé deux autres marques avant de tester les gélules de chez madame la présidente. Donc là pour le coup moi j'ai fait la cure Air Boost. Il n'y a pas que celle-ci, ils ont aussi une cure pour les enfants, ils ont une cure pour les hommes et une cure pour les femmes enceintes et allaitantes il me semble. Et ils ont aussi des thés que tu peux prendre en complément des cures. Moi pour le coup j'ai testé que la cure Air Boost et ça m'a réellement sauver les cheveux. Donc je vais vous en parler un petit peu rapidement. C'est des petits bonbons, je vais vous montrer. C'est des petits gummies en fait à prendre comme ça. Donc des petits bonbons, t'en prends deux par jour et ça fait office de complément alimentaire. Et donc c'est fait pour stimuler la pousse des cheveux et pour réduire la chute des cheveux. Donc en soit c'est tout ce dont j'avais besoin. J'essaierai de vous intégrer sur le côté des photos de moi pendant le premier confinement pour vraiment que vous vous rendiez compte. Moi personnellement ça m'a redonné une bonne masse, même si j'ai pas retrouvé encore celle que j'avais avant l'accouchement, mais ça m'a redonné une bonne masse capillaire. Ça m'avait bien fait pousser mes cheveux aussi, mais Lina m'a coupé les cheveux il y a quelques semaines de ça pour qu'ils puissent vraiment bien repousser. C'est des coiffeurs qui m'avaient conseillé ça pour que vraiment mes cheveux soient au top. Donc voilà, là vous allez peut-être pas voir la différence au niveau de la longueur, mais en tout cas ils avaient aussi bien poussé. C'est vegan, c'est bien évidemment sans gluten parce que vous le savez je suis intolérante au gluten, donc je ne peux pas prendre tout ce qui est full gluten. Donc c'est sans gluten, donc aucun problème. C'est goût fraise framboise, donc j'adore parce que ça c'est vraiment mes goûts préférés. C'est super simple à prendre étant donné que bah c'est des petits gummies à prendre, tu prends ton petit pot, t'as pas besoin de prendre un verre d'eau, d'avaler des gélules. Et c'est vraiment inclusif étant donné que bah c'est rapide et c'est fait pour tous les types de cheveux. Et il y a un truc qui me plaît d'autant plus avec cette marque là, c'est qu'ils sont très engagés au niveau des femmes. Étant donné qui reversent 1% de leurs bénéfices à la fondation des femmes, donc ça on aime beaucoup. Donc c'est à base de biotine, de zinc, de fer et de roquette. Je pourrais pas forcément vous dire à quoi ça sert, mais je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos dans tous les cas pour avoir plus de détails. Je vous mettrai aussi le lien du site, comme ça vous pourrez aller directement dessus. Mais dans tous les cas j'en suis très contente, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Insta, ça a bien fonctionné sur moi. Là j'en suis à mon 3e mois de cure et j'ai pas dû attendre la fin de la cure pour vraiment voir la différence, donc je suis très contente. Donc voilà, vu que j'en suis extrêmement satisfaite et que vous m'avez beaucoup demandé à la suite du postpartum du coup qu'est-ce qui avait fonctionné pour retrouver un petit peu une masse capillaire, parce que vous avez bien vu que du coup en ce moment je ne perds plus autant mes cheveux qu'avant, voire presque plus. Et je sais aussi à quel point ça coûte cher de prendre soin de ses cheveux, donc j'ai un petit code promo pour vous qui est le code ONBEUNEPRÉCÉDENTE. Je vous mets juste ici sur l'écran, je vous mettrai tout en barre d'infos aussi avec toutes les infos. Et ça va vous donner moins 10% sur tout le site de madame la présidente, donc je suis très contente de pouvoir vous donner ça parce qu'on sait que ça coûte un rein de prendre soin de ses cheveux. Donc si au moins je peux vous aider et vous conseiller sur un truc qui a très bien fonctionné sur moi, je suis contente. Sur ce, je suis allée prendre mon petit ordinateur, je vais en profiter pour commencer le montage de ce vlog, comme ça je vais un petit peu m'avancer, étant donné que j'ai trois autres vidéos en plus de ce vlog là à monter. Donc je vais essayer de m'avancer un petit peu aujourd'hui entre mes rendez-vous. Là je dois être à mon rendez-vous dans 45 minutes, donc je vais partir d'ici une demi-heure, si au moins je peux avancer là-dessus c'est cool. Et aussi, je vous ai dit hier c'était la Saint-Valentin. Ah, je suis trop contente, elles sont trop belles. Il y a mon chéri qui m'a offert des fleurs qui sont trop jolies. J'ai une passion pour le rouge, je pense que vous avez compris que j'ai une passion pour le rouge. Donc moi les fleurs, tu m'offres des fleurs en plus qui sont rouges. C'est bon, je suis trop contente. Donc je suis très 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 contente. Et du coup, je voulais vous les montrer parce que vraiment, elles sont très jolies.
Bon les gars, comme vous voyez, je reviens à peine de mon rendez-vous où j'ai attendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense en fait au moment où la personne m'a appelé, j'étais là genre j'allais partir parce que je me suis dit vraiment, on m'a oublié donc je vais m'en aller. Mais bon, du coup je viens de rentrer à la maison à l'instant, il est midi 45 et je suis allée à la boîte aux lettres. On a reçu un gros colis, j'avais fait une méga commande la semaine dernière pour Elio. Parce que là il est enfin passé aux 24 mois et il nous restait quasiment que du 18 dans son placard. Et tout devient trop court, genre ses boutissards étaient là, ses pyjamas ils tendaient comme ça et tout. Donc là je lui ai fait une grosse commande. Enfin bon, du coup je vais en profiter pour vous montrer un peu la commande. Parce que même moi je ne me souviens plus de ce que je lui ai pris. Oh mais c'est trop kiki, mais moi j'aime trop les trucs pour bébé, c'est trop kiki. Un petit pige comme ça. Ensuite, un autre pige comme ça. Ensuite, un peu pour booster mon ego, I love mummy. En même temps, c'est surtout qu'il n'y avait plus grand chose en 24 mois sur Siabi. Donc, j'ai pris un peu tout ce que je pouvais à sa taille. Des chaussettes, parce que vous, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais je sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, la machine bouffe toutes les chaussettes d'Elio. Ça n'était jamais arrivé jusque-là, pourtant il y avait bien des chaussettes jusque-là. Mais là, la machine bouffe toutes ses chaussettes. Donc, je lui ai repris un lot de 5 chaussettes. Et là, je me dis, au moins, vous pouvez revoir un peu tant qu'à faire, tant que mes cheveux sont secs. Vous pouvez voir un peu la masse que j'ai récupérée. Pour mes cheveux. Bon là je suis vraiment pas au top parce que je suis pas coiffée du coup mes cheveux ils ont juste séché comme ça. Mais au moins ça vous permet un peu plus de voir que genre vraiment j'ai retrouvé un petit peu de masse capillaire et ça me fait très plaisir. Vraiment j'ai boosté mon ego, hein. J'ai pris grave des trucs où c'est marqué maman mais en même temps il y avait pas grand chose d'autre. Genre moi j'aime bien les trucs simples parce que souvent si par exemple je lui mets une salopette ou quoi, je vais lui mettre une salopette avec un body blanc en dessous ou un body crème ou quoi. Donc peu importe, genre vous voyez les trucs tout simples comme ça, finalement ça me va bien. Mini bouille, mon bébé. Et là vous voyez, daddy's happiness, donc on n'a pas oublié papa non plus. C'est marqué quoi là? My sweet bunny. Mais moi c'est pas mon bunny, c'est mon cochon. Est-ce que vous avez remarqué que souvent je l'appelle cochon? C'est mon petit cochon. Un truc tout simple comme ça, moi vous avez vu, j'aime bien quand c'est simple, hein. Même moi je m'habille pas avec beaucoup d'extravagance. Oui, c'est trop kiki. Du coup le fameux legging, j'en ai pris deux je crois, j'ai pris un bleu marine et un noir. Un autre pige comme ça, moi j'adore. Vous avez compris, j'aime quand même encore bien le jaune moutarde. Hein. Je lui ai pris un petit pige rose parce qu'il était trop kiki le pige rose et que c'est pas parce que c'est un garçon qu'il a pas le droit de mettre du rose. C'est un autre avec marqué My Sweet Bunny. Ouais, bah écoutez, nickel, je suis bien contente. Là je vais tout laver comme ça, ce soir ce sera un peu compliqué mais à partir de demain il aura tous des vêtements à sa taille. C'est cool ça. Bon, et dans tout ça, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de commencer le montage. J'ai travaillé un petit peu sur autre chose, mais faire le montage, j'ai pas trop eu le temps. Donc je vais essayer de m'y mettre là pendant que je prépare à manger, ou alors je fais un live, et vraiment genre live avec vous. Vous avez compris, c'est un peu ma passion le midi, genre de manger en live avec vous. Mais là, je vais me dépêcher de me faire à manger. Comme d'hab, je vais manger steak haricots parce que je n'ai toujours pas fait les courses. Et que du coup, vu que j'ai pas fait les courses, et bah j'ai plus rien à la maison. Donc comme d'hab, est-ce que je suis en train de prendre une excuse toute pétée pour dire que je mange toujours la même chose? Bien sûr! Il est 18h, j'ai récupéré mon petit gamine à la crèche, j'ai pris mon goûter en live avec vous et là il est en train de manger un petit gâteau parce qu'il a un petit peu faim, la crèche ça s'est bien passé donc c'est cool. Sur ce je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer de plus parce que bah après ça va être l'heure du bain, le biberon et moi je vais travailler donc on verra ce que j'arrive à vous filmer de plus mais je suis trop contente d'avoir retrouvé mon bébé. Et ça, c'est encore une fucking machine à étendre. Avec la plupart des affaires d'Elio que je vous ai montré tout à l'heure. Plus des affaires à nous. Vraiment, j'ai passé la journée à faire du linge, genre ranger, plier, étendre et tout. Bon les gars, 20h, Elio est au dodo. Moi je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai déjà mangé. Je coupe le son, ce sera moins désagréable pour vous. Mais ouais, je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai déjà mangé. Je vais aller fumer ma dernière cigarette sur le balcon, prendre ma douche et après je vais aller travailler dans le lit. Probablement, là je suis un peu en train de regarder les infos. Je me suis surtout affalée sur le canapé avec un plaid parce que j'ai trop froid et que mon pull est dans la salle de bain et Théo dans la salle de bain. Mais du coup, ouais, je pense que je vais vous laisser là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!